Comment tracer un triangle isocèle à l'aide d'une équerre? La base doit mesurer 6 cm et sa hauteur 4 cm. Traçons d'abord la base de 6 cm et marquons le centre de celle-ci. Plaçons l'équerre sur la base de manière perpendiculaire en touchant le milieu de cette droite perpendiculaire. Donc mesurer 4 cm, c'est la hauteur. Voici les trois sommets à relier.